Bonjour et bienvenue sur l'atelier KidiJoy. Aujourd'hui, nous allons préparer un design. Donc, pour travailler, je suis partie d'un dessin que j'avais dessiné sur mon cahier de dessin, Et du coup, j'ai pris une photo pour ensuite le transférer sur le Design Space. Donc, une fois qu'il est transféré, la première étape, ça va être de rogner, c'est-à-dire enlever un petit peu tout le contour qui nous sera inutile pour notre design. Donc là, je travaille moi sur mon iPad. Il faut savoir que sur les tablettes, il y a moins de fonctionnalités que sur un ordinateur pour travailler dans le Design Space. Donc je vous conseille quand même de travailler au maximum à partir de votre ordinateur. Donc maintenant que j'ai fini de rogner, je vais commencer à enlever. Donc j'ai cliqué sur enlever pour enlever en fait tout le fond de mon dessin. Voilà. Il suffit en fait de sélectionner les parties blanches que je ne veux pas ou autres parties, mais sur ce dessin-là en fait c'était le blanc que je devais enlever et de commencer à nettoyer. Cette fonction enlever nous permet en fait de nettoyer notre dessin de tout ce qu'on ne veut pas garder. Donc on va venir cliquer sur toutes les parties qu'on ne veut pas et avec mon stylet je vais sélectionner et ensuite le Design Space fait son travail. Il faut savoir que sur un dessin qu'on a dessiné sur un cahier, pris une photo, le nettoyage va être beaucoup plus long car il va toujours rester des petites parties autour de notre du noir par exemple. Donc il suffit juste de cliquer, ça se travaille tout seul et ensuite pour vraiment venir travailler les contours, vous pouvez zoomer sur la tablette ou sur l'ordinateur aussi. Et ensuite vous voyez bien que sur la droite, il y a le dessin qui commence à réellement apparaître en fonction des zones que nous avons sélectionnées. Donc selon le design à travailler, ça va prendre plus ou moins du temps parce que évidemment comme celui-ci là que je vous ai pris un exemple, il y a quand même pas mal de détails. Du coup, je vous montre la technique mais j'irai quand même pas à fond pour faire le nettoyage complet parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc je pense que vous avez bien compris la technique du nettoyage, on va accélérer un petit peu pour avancer et pour que je puisse vous montrer d'autres petits trucs. Vous pouvez regarder un petit peu ce que ça donne comme résultat à la découpe en appuyant sur suivant. Le déparasitage en fait va, vous voyez, gonfler les traits. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, si vous allez vraiment vers le plus, vous n'allez plus rien voir. Le lisse, c'est un peu le même principe, ça sert à lisser les traits. En fait, plus vous allez appuyer et plus ça va vous lisser les traits mais aussi les grossir. Voilà. Allez, je repars sur mon nettoyage un petit peu et ensuite on continue à avancer. Donc on va dire que mon design me convient très bien comme ça, je fais suivant, je lui donne un nom pour bien l'enregistrer dans ma galerie de Design Space, donc ici je l'ai appelé licorne, voilà. Et ensuite donc je vais sélectionner soit découper, soit impression puis découpe. Moi je veux le découper pour le mettre en flex, du coup je sélectionne découper et j'attends qu'il soit enregistré dans mon Design Space. Une fois qu'il y est, je le sélectionne. Voilà, il s'ajoute un petit peu, voilà, il s'ajoute en bas et on va l'insérer sur mon Design Space. Waouh! Il ne me reste plus qu'à le redimensionner, voilà, parce que là, il me dit qu'il est beaucoup trop grand. Donc, je le redimensionne, je tape, hop, sur la dimension que je souhaite. Voilà, on va faire du 25 par 26, parfait. Et on passe en création. Voici le design qui est prêt à être créé. Maintenant, si je veux le mettre en flex, je coche l'option miroir. Si je veux le laisser en vinyle, je la décoche tout simplement. Voilà, option miroir, c'est pour le flex. Donc, pose à chaud, je décoche, c'est pour du vinyle. Merci de m'avoir suivi. À très très vite. Pensez à vous abonner et on se retrouve très très vite sur l'atelier KidiJoy.
Mettez-moi un pouce, un like, ça me fait toujours plaisir. Et à très très vite. Bisous.